Allez, une dernière, une petite dare. Petite dare, après on va faire du Fall Guys avec, avec Mano. D'ailleurs, je vais regarder s'il m'a envoyé un message. Il n'a pas envoyé de message, donc tout va bien, a priori. Ça fait toujours bizarre de revenir un peu vanilla comme ça. Sans ses pouvoirs. Let's go. Repousse vos ennemis plus loin. Ah cool ça. Ça peut faire chier aussi j'imagine, mais ça, là comme ça me fait plaisir. Bah cool, merci fils de pute. J'étais censé prendre un coup de pelle mais c'est pas grave. Putain. C'est moi où il y avait un engrenage là. Il y avait un engrenage qu'on n'a jamais vu. Qui n'était pas visible à l'œil. Si c'est le cas, je pleure. L'avenir nous le dira. Ça vaut le coup d'y aller jouer sans avoir touché à Shovel Knight? Oui, vraiment, rien à foutre de Shovel Knight. Hein. Vraiment rien à foutre de Shovel Knight pour Shovel Knight Dig. A la limite, si t'es intéressé par l'histoire, mais vraiment rien à foutre, hein, en toute honnêteté. Ah cool, bah c'est bien. Ok, donc là, je viens d'apprendre un truc qui est pourtant assez évident. Mais si j'attaque, je n'attaque pas vers le bas. Si j'attaque sur le côté, du coup, je ne pique plus vers le bas pendant que je le fais. Il m'en aura fallu des heures de jeu pour me rendre compte de ça, mais écoute, let's go. Ah cool, bah, c'est bien ça. J'ai littéralement atterri à un pixel devant sa tête, j'imagine. C'est cool, la run commence bien, c'est faux, vraiment elle commence pas bien du tout, ça me fait chier. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas... Là, pourquoi j'ai pris un dégât, là? J'ai littéralement donné un coup de pelle. J'ai creusé. Bon là par contre ça commence à m'énerver. Ça commence vraiment en premier degré à m'énerver. Voilà, là c'est mérité par contre. Et là c'est parce que je commence à m'emporter là. Là je commence à être sans garde là. Ouais c'est bon, rends-moi ma vie, rends-moi ma vie. Rends-moi ma jeunesse. Pitié. Ça. Je... Faut savoir que ce truc là, c'est horrible. Parce que vous voyez tous les petits lapins blancs là qui volent là. Il y en a à l'infini, et ça me rend fou. Jamais de la vie. T'as quel type de sang, toi? J'ai un sang chaud. Vous avez besoin de me faire à vous. Vous avez pas d'argent, vous voulez me faire un don du sang plutôt qu'un don d'argent, c'est ça? Désolé, je prends pas le don d'argent. Le don du sang, pardon. Je prends que PayPal. Ah, cool! Du coup, tout ça pour qu'il y ait rien derrière, bah c'est sympa. Très sympa cette run en tout cas, je l'aime bien. C'est faux, vraiment, je déteste tout ce qui se passe à l'écran là. Mais nique ta mère! C'est trop grave! Horrible monde hein, pour le moment. Pour l'instant, horrible biome. Horrible biome jusqu'à maintenant. Cassez-vous! Cool, j'ai failli prendre l'explosion grâce à ça, merci. D'accord, première nouvelle. Ce n'était pas visible! C'est ce qui m'énerve dans le jeu, c'est quand ça arrive. Quand tu te prends des trucs qui n'étaient pas visibles. Putain, un peu de level design, que diable. Bordel de merde, des level design à chier ici, malheureusement. Comment ça, on l'a pas vu? Bah là, clairement, ils étaient pas visibles quand je suis allé sur le côté. Après, peut-être ils étaient visibles avant, quand la plateforme était remontée. Et je les ai pas vus dans ce cas-là. Mais à culpa dans ce cas-là. Mais là, en l'occurrence, dans la situation, pas vu.
Oh non, encore. Mais on s'emmerde. C'est pas amusant comme ça, là. Le mec est devenu horrible. Voilà, ok. Personne n'est impressionné. Merci Evolinou pour le sub offert à Bicyclarve. Merci beaucoup. Bam, bam, bim. Ok. Ensuite. Je prends l'argent, bien entendu, c'est important. Je prends pas celui-là, par contre. Celui-là, je l'aime pas. Ah oui, c'est vrai, cette mécanique est incroyable. Les bombes tuent les rouages, bien sûr. Bah allez, c'est bon, nique ta mère. On peut reroll, on peut restart. On peut même pas, bah c'est cool. On peut vraiment pas? Ah si, c'est bon. Je pars pas sans mon rouage, hein, c'est mort. Ça va me prendre pour une merde. Je comprends pas entièrement ce qui se passe, mais c'est mouvementé. C'est ça, grosso modo, ce qui se passe. Ça, c'est que c'est mouvementé. C'est vous, plouf pour le sub. Ton premier sub ici, merci beaucoup. Cool, en tout cas. Je suis une merde. Littéralement une merde, c'est moi. On pourrait pas aller plus loin. Alors, on est au début du niveau, mec. Ok. C'est pas grave. Mais on est vraiment au début du niveau. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Yves? Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Moi, quand je monte les escaliers de la tour Eiffel, deuxième marche, les gars, j'abandonne. Je ne peux pas. Je comprends qu'il a envie d'abandonner, mais pas là. Pas maintenant. Là, il n'y a pas matière à abandonner, là. Ah, cool. Encore une fois, pas réellement cool. Bah, c'est bien, ça, j'ai failli me le prendre. Ah, bien, ça. J'imagine qu'il est là encore. Ah, il est encore là. Pas pour moi. J'allais me plaindre et finalement, faut pas. Ah ouais, cool. D'accord. Donc là, je suis censé me dire quel level design fou, c'est ça? Viens là. Ah bah trop sympa, fils de pute! Pardon. Bah c'est bien. En plus, j'ai perdu de la vie du coup. Ah non, c'est bien amusé là. Oh bah, elle est bien cette salle, hein. Elle est cool, hein, vraiment. C'est faux, je la déteste. C'est faux, j'en vois pas l'intérêt, vraiment. Très belle salle bonus, hein. Avec beaucoup de bonus dedans. Tels que absolument pas d'argent, quasiment. Et des ennemis super chiants à buter. Je pense que j'avais pas la strat. Je pense que j'avais juste pas la strat et que je suis mauvais soir. Ah, vous savez, je suis au courant que je suis mauvaise foi, des fois. Et là, je suis au courant que je suis mauvais tout court. D'accord, une deuxième. Je prends. Ce qui est terrible, c'est que ça se passe mal, mais ça se passe bien en même temps. Genre, j'ai pas envie de me plaindre de tout ce qui se passe non plus, quoi. Parce que techniquement, là, ce qui se passe, c'est dingue. Ok, cool. Et encore. Ok. Allô? On est concentré. On ne fait pas de bêtises. Ah. Merci beaucoup Evolino pour le sub offert à Manoa. Alors ça digue un max, je digue du cul mec. Je suis en train de digue du cul là, c'est un truc de fou. Juste après cette partie normalement on se fait un petit Fall Guys Mano t'es chaud. Là c'est la DER logiquement. Qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe mal, c'est la DER. Elle va bien se passer bien sûr. Si elle se passe bien, il y en a peut-être pour une demi-heure, trois quarts d'heure Mano, je te le dis. Cool. Ah je l'ai eu quand même. Ok ça va. Si elle se passe bien, il y en a peut-être pour une demi-heure. Ah ! J'ai envie. On va finir le jeu sur cette guerre, on va rien comprendre. Alors. Je vais clairement prendre ça encore. Je crois que ça, c'est bien aussi. Au-dessus de vous.
Non, ça. La vie, hein. La vie, la vie. Vous avez la ref ou pas? Par contre, j'ai aucune relique, j'ai aucun truc, hein. Vraiment, c'est... L'emmerdement est maximal, mais... Bon. Ça fait plaisir, hein. Bon. Alors, c'est stratégique, je prends d'abord un objet. Et je prendrai la vie au prochain. On trouve une chance de faire apparaître une jarre de magie quand vous activez une relique. C'est cool, j'en ai pas. Sympa. Sympa, non? J'ai la rêve de la vie, putain, bravo. Tout le monde est en vie ici. Vous êtes en vie sur le chat ou pas? Ceux qui sont en vie, abonnez-vous, s'il vous plaît. Poui, 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 poui. Hop les, hop les. Oh, lui, il va me la foutre dans le cul, là. Ah ouais, il a failli, hein. Voilà. Oh, attends, je veux ça. Ah, c'est cool. Ah, c'est bien, en plus, j'ai bien profité du contenu, hein. J'ai bien profité du contenu et j'ai eu le secret et tout, c'est cool. Oh là là. Je savais pas si ça allait bien me projeter là où je voulais. J'ai eu raison de me méfier. Méfiez-vous, hein. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Méfiez-vous, c'est un conseil que je... Ah ! Bâtard, j'ai pas vu que c'était les champignons en bas. Putain, le jeu est vraiment une salope, hein, des fois. C'est un truc de fou. J'utilise le S-Word, hein. J'en ai rien à foutre. Attention, je vais dire le S-Mo. Oh non, la relique. Mais non, mais il y avait une relique en bas, là. Putain, une relique à droite, les bâtards. Elle était invisible, je pouvais pas le deviner, c'est juste la chatte. Cool, en tout cas, c'est sympa. C'est toujours pas cool, hein. Vraiment, ça me fait toujours chier. Le principal est là, j'ai la relique. Je vais pouvoir regagner ma vie. Ou alors, je suis vraiment greedy. Oh, je suis vraiment greedy, hein. Non. Non, j'ai pas envie de jouer avec Manoa tout de suite. No offense. Hop là, hop là, hop là. Et hop là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je m'aille là. C'est pour ça là. Et en plus il y a des ennemis. Oh bah super, la vie est cool, hein. Vraiment vie de rêve, hein. C'est la suite. Cool le dégât que j'avais pas envie de prendre. Oh puis je peux pas récupérer ma relique, trop bien. Ah si, je peux. Ok. J'ai quand même réussi. Eh, c'est bien, je peux pas y aller là, si je me fais... Voilà. Ah c'est chouette, hein, c'était un bel endroit, faut vraiment pas. Bon, je pense que j'ai bien fait de pas grid du coup. Nice, c'est bien, j'ai tout perdu, let's go. Ouais, ouais, c'est cool. Ah vraiment, un moment enrichissant. Casse-toi, vraiment, cassez-vous. Barrez-vous, je vous en supplie. Ah, il va falloir les rouages, là. Ah, mais pourquoi je suis débile comme ça, aussi? Putain, j'utilise bien mon pouvoir, en plus, c'est beau, ça. Connard. Je suis débile. Bon, après, on s'en fout. Là, tout ce qui compte, c'est que je meurs pas. Tant que je meurs pas, tout va bien. Mais je m'en veux, hein. Cool, c'est bien, ça va, bravo, bravo, fils de pute. C'est comme ça que je m'appelle. Toujours dans l'esprit. Merci Raskazrzrz. 23 mois. 23 mois quand même. C'est beau, merci beaucoup. Je vais m'avoir. Donc là, j'ai une priorité dans la vie et aucune autre. Voilà. Bah c'est bien, il était vachement touchable lui. Comme un merci finalement. Hein, allez. Voilà, tout ce que je veux c'est récupérer toute ma life et là on est bien.
Là, en vrai, on est bien. Vous avez vu quand je tryhard comment je deviens désagréable? C'est ça qui est bon. Ah, ta gueule. Ouais, vraiment, ferme ta gueule. Oh, par contre, le... Oh, le pattern est horrible. Le pattern est immonde. Je commence à le gérer quand même. Ah bah c'est bien, c'était une esquivable de fou ça aussi, ouais. Quel beau design. Putain, il casse les couilles. Let's go. EDF, hein, vraiment électricité de France et ennemi de fou. Allez. Il est casse-couille, hein, lui, hein, vraiment. Il est casse-couille, mais dès qu'on a un peu de stop, c'est bon, hein, mais... En vrai, je suis un peu triste, parce que de toutes les runs qu'on a faites, j'ai pas réussi à choper mon pouvoir préféré. Il y a une capacité dans le jeu que j'adore, et j'aurais vraiment trop voulu qu'on l'ait. Oh, let's go. Je vais pouvoir vous montrer l'autre biome. Oui, bravo Ginette. Un jour, je saurai comment on débloque le truc à droite. C'est quoi ton pouvoir préféré? Celui de voler. Non, c'est... bah, vous verrez si je l'ai. J'ai pas spoil. Pourquoi j'ai fait ça? Ok, c'est bon. Faut que je fasse attention. Ok, ce biome est super dur. Le biome de feu, je le trouve beaucoup plus dur que le biome de l'eau. Sachez-le. Donc là, on est un peu dans la sauce. Mais dans une sauce, mine de rien, pas si mal. J'ai beaucoup de vie. Double le max de santé, mais la santé n'est plus affichée. Ouf. Putain, en soi, c'est extraordinaire. Si je double mon max de santé, je suis mais Gucci. Mais je la vois plus, quoi. J'ai envie de le tenter, je l'ai jamais eu. Mais par contre, je saurais vraiment plus ma vie, quoi. Mais doubler ma vie, les gars, c'est énorme. Hein. Ah, c'est bien, ça me montre quand même mon max. Donc, je peux avoir une idée. Donc là, je sais que je suis à 2. Je vais dire par sécurité que je suis à 2 de mon max. Je suis à moins 2. Ok. En vrai, j'ai tellement de vie, c'est énorme. J'ai littéralement jamais eu autant de vie de ma vie. Hein. Mais non, parce que j'ai répété le mot vie, en fait. Ah, connard. Ok, je suis à moins 3. C'est quoi ça? Je les ai jamais vus. Je les ai littéralement jamais vus. D'accord. Ça, c'est cool, il y avait une clé, mais je pourrais pas l'utiliser, du coup. Ok, cool. Ce qui est bien, c'est que si je suis assez malin... Si je me débrouille bien, là, je vais pouvoir farmer des pouvoirs. En fait, c'est ce qui est bien dans le jeu, c'est que la puissance s'appelle la puissance. Plus t'es puissant, plus ça va être facile d'être puissant. C'est un jeu de droite, hein. Vraiment, ce jeu est de droite. Il récompense uniquement les riches. Il récompense uniquement les riches et les puissants, vraiment. C'est un jeu de droite, full droite. Par exemple, vous voyez, j'ai beaucoup d'argent, je vais pouvoir m'acheter beaucoup de choses. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre épelle inflige le double de dégâts lorsque votre santé est faible. Oh. Define faible.
Est-ce que ça veut dire que quand j'ai 4 HP, je fais double dégâts? Parce que là, actuellement, 4 HP, je suis faible, quoi. Un rouage réutilisable, c'est cool, mais... En plus, c'est l'usant, réduit le prix chez les marchands. En vrai, au stade où on en est, ça peut être encore vachement bien, ça. Ah oui, on a vu, hein. La... Vraiment pas dégueu, la réduction, hein. Et franchement, on a qu'une vie, non? Allez. J'ai jamais eu, je me dis, ça peut peut-être faire un achievement aussi de l'acheter alors que j'ai jamais eu. Mais là par contre, j'ai plus l'argent. Du coup, le jeu va plus me récompenser. Ah cool ça! Belle découverte! Belle découverte. Putain, je suis à moins 4. Moins 5. Je suis à moins 5, c'est ok. Pour l'instant, je suis ok. Hein. Bonjour. Encore. Vachement chaud quand même. Crosscorn. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien aussi ça. Oui, je prends. Ah, tant pis, j'ai pas l'argent. Je suis à poil. Pas mal. Je pense que là j'ai 6 ou 7 points de vie. Après, c'est vrai qu'on peut prendre des demi-dégâts, mais Oh là là. C'est bien ça de l'avoir eu. Oh, je suis chaud. Oh, il monte ma vie. Oh, le giga de chad. Oh, le jeu. Il montre la vie, là. Oh là là. Oh, il montre la vie. Oh, c'est beau. Oh, ça c'est trop gentil. Hein. Ah, pour une fois que le jeu est gentil. Ah bah, on y va directement avec une amélioration. Ça part en amélioration. Ressuscite après une défaite, mais une seule fois. Mais non. Mais s'il ressuscite avec toute la vie, la game est gagnée. S'il réussit avec toute la vie, j'ai gagné la game. Attends. Énorme. Excusez-moi, mais Énorme. C'est fou. Je sais pas si ça... Si ça monte toute la game ou pas. Je pense que je préfère ces monstres-là. En vrai, c'est énorme ce que j'ai là. J'ai toute ma life. Non, j'ai pas toute ma life, mais j'ai toute une barre. J'ai encore une barre entière. Ah, c'est trop bien le fait que ça montre encore la life. C'est vraiment la meilleure chose possible. Hein. $200 gratos, ok. Let's go. Pour l'instant, ça se passe grave bien. Hein. C'est limite suspect, mais bon. Ok. Oh oui. Ah, par contre, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent, hélas. Est-ce qu'il va me donner le pouvoir que je veux? Je crois qu'il l'a. Maintenir attaque puis relâcher pour effectuer une attaque puissante. C'est pas ce que je veux. Attaque au fouet à longue portée. Arrête. Oh là là, c'est pas ce que je veux, mais je vais prendre l'attaque au fouet quand même. Vous allez voir. C'est pas mal quand même. Dans l'esprit, voilà, j'ai vraiment une attaque à longue portée. Par contre, je sais pas comment je suis censé avoir ce d'en haut, mais... Merci beaucoup, Heptonic. Let's go. Et merde.
J'étais obligé. Ok, j'ai un petit peu moins de... En vrai, la réduction au magasin, ça nous sauve, hein, vraiment. Putain, oh non. Le stun qui nous met dans la sauce. Mais je suis débile. Ok, bah là, j'ai perdu beaucoup de vie, du coup, c'est cool. Pas réellement cool. Ah, c'est bien, ça. Ah bah, c'est bien, c'est cool. Ah ouais, on est dans une bonne situation, là. Un peu comme Scrib. Ouais, merde. C'est un peu trop long par rapport à ce que... Allez, arrête-toi, je t'en supplie, au bout d'un moment, c'est chiant. Non, vraiment? C'est trop grave. C'est vraiment trop grave, ça, d'avoir laissé ça là. Bon. Je crois que je suis à 4 ou 5 points de vie, mais... J'ai pas à trop m'inquiéter encore, je peux encore prendre des dégâts volontaires ou non. Ça. Allez. Oh là 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 là, encore de la vie. La multiplie pas par deux, dommage. Mais putain, qu'est-ce qu'on est bien. C'est un peu abusé, franchement. Je vous le dis, hein, je vous le dis en toute honnêteté. Un peu abusé. Oh là là. Oh, est-ce qu'on a déjà vu autant de vie quelque part? Je vais pas perdre mon temps là-dessus. J'ai vu ça, j'ai vu. Let's go la fin du biome. On est bien encore niveau life. On est à 7. Ah, mais sauter plus haut. Let's go. Je peux sauter plus haut, c'est pas mal. Sauter plus haut. On va passer par là. Je suis à 6.5, ok. Je suis à 6. En vrai, ça peut être une run légendaire. Hein. Ok, eux ils sont relous mais assez gérables. Donne la life, voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il nous propose comme bola? Oh! Je peux avoir éventuellement un... Ouais, tout est cool, là. Encore! Et encore! Ça fait beaucoup, là, non? Ok. Vous avez la ref ou pas? Ouais, quand je vais pouvoir remettre ma vie au max, on va être bien. Let's go. Oh là 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 là. On a tellement les capacités d'aller loin là dans cette run. Ah. Oh,
Je m'en fous du diamant, vraiment. Ok. Je fais attention, bien sûr. Ta gueule! Comment je peux faire ça? Let's go, on a tout! Je vais pouvoir reprendre ma vie au max. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, hein, quand on est dans son bain. Ah, la foutre! Tu as dit que ce jeu récompense les riches, hein. Ouais, bon, ça va. Deux secondes. Occupe d'abord de ça. Ok. Vas-y, qu'est-ce que tu me proposes? On est bien, hein. Effectue 3 plans de pelle consécutifs pour réaliser une puissante taillade. Pof. Repousse vos ennemis plus loin. Ouais, je vais prendre ça. Parce que, quoi qu'il en soit, de temps en temps, je serai plus fort sans faire exprès. Repousse vos ennemis plus loin, en vrai, je m'en fous un peu, hein. Une clé, j'en ai déjà une. Entre nous, j'en ai pas besoin. Je vais certainement la perdre en prenant les dégâts, mais c'est pas grave. Hein? Ah oui, je suis le plus fort. Ok, bon, on va peut-être augmenter notre vie pour le boss quand même, ce serait dommage. Oh là 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 là. 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17 points de vie! 17 points of life! Et le prochain boss, vous l'avez jamais vu? Moi, je l'ai déjà vu. Enfin, vous l'avez jamais vu chez moi, bien sûr. Peut-être chez vous. Je l'aime bien, lui. Il est stylé. Oh merde, j'ai raté l'infini. On peut l'infiniser lui si on est loin. Hein? Il a esquivé. Un bâtard. Merde. Par contre, il y a que 3 points de vie, un peu nul. Et voilà, c'est terminé. C'est bien sûr faux. Deuxième phase. Et là, la phase est assez stylée en vrai. Ok, il apparaît où? Oh, le bouffe. Ok, le bouffe. Oh, le bouffe. Ok. C'est fou. Allez, ça dégage. Ça dégage le bouffe. Je crois que j'ai perdu 5-6 points de vie, mais voilà. Let's gang. Oh, ça fait plaisir. Imaginez, j'ai l'objet qui fait que lorsque tu perds des points de vie, tu perds d'abord tes max HP. Imaginez, hein, ce serait drôle. Attends, on peut avoir le biome poisson. Attends, c'est-à-dire que le biome poisson peut être plus dur. Casser les couilles, cela. Ok, c'est bon. Mais là, il y a un biome que je connais pas, donc on va y aller. On y va ou pas?
Bah, dans un biome qu'on connaît pas. Je suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 points de vie. Donc s'il me fait toucher 12 fois, faut que je commence à m'inquiéter. Parce qu'il y a des demi-points de vie, mais il y a aussi des points de vie complets. C'est rare de perdre plus d'un point de vie, par contre. Ok, jamais été dans ce biome. Okay, déjà, je crois que c'est une plateforme. C'est quoi, ce truc-là? Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Encore? Ok, je vois. Je découvre, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, secours! Ah, c'est... Ok, j'ai 11 points de vie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Oh, je me chie dessus! Ok, je n'ai que 11 points de vie, les gars, je suis dans la merde. Double vos points de vie! Augmente fortement le max de santé. Octroie un bouclier pour chaque de santé! Allez, allez! Allez! Faites-vous plaisir! Attends! Ah oui, ça augmente. Ah, ça a transformé toute ma vie en bouclier. Autant pour moi. C'est peut-être une connerie. Mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Ah, c'est tellement drôle de voir autant de vie. En plus, là, du coup, ce n'est plus. Là, techniquement, maintenant, je revois ma vie. Ah, cool, c'était visible ça. Ah cool. Pas réellement cool. Ah mais j'ai raté... Mais ton frère, j'ai raté un engrenage. J'ai jamais vu un engrenage de ma vie. Ok, cool. Je sais pas quel pouvoir je préfère. J'ai visiblement raté un engrenage, je tiens à m'excuser auprès de toute ma communauté. Qu'est-ce que fait ce truc? On aura au moins les deux. Il a invincible en fait, ok. Hein? Pas compris ses ennemis. On va y avoir un ennemi là, on va y avoir des ennemis. Cool. Ok, c'est bon. Je comprends pas tout à ce biome. C'est quoi ça, la bombe là? Est-ce que c'est un objet pour moi? Oh les bâtards. Ah, mais quand est-ce qu'on a ça? Oh! Oh, un seul, quand on le creuse, il est pas content! Ok, marrant. J'ai... Ok, j'ai une bombe avec moi. J'ai juste une bombe qui me suit, quoi. C'est cool. Oh, c'est peut-être pour ça? C'est pour ça? Attends, mais elle va exploser, là. Ok. Attends, mais mes boucliers se régénèrent? Mes boucliers peuvent se régénérer? Bon, j'ai pas la ref, hein. J'ai pas la ref de tout, désolé. J'ai pas toutes les refs, hein. Là c'est du... De l'inédit pour moi. Bon, pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal, les gars. Fausse grouillance. Ouais, attends, je vais tester un truc. Ah oh, mais il s'est barré. Pourquoi il se barre? Hop là, voilà, je voulais voir. Est-ce que je peux lui renvoyer dans la gueule? Hop là, dans ta gueule, quoi. Gros con. Ah, pas cool, ça. Ah, d'accord. Ok.
je veux la bombe, attends frère. Il a fumé lui. Bien sûr que je veux la bombe. Merde, j'ai pas vu. Pour l'instant, ça se passe. Mes frères Elle a combien la bombe là? Elle a 23, ok. Je la laisse exploser parce que ça m'a l'air dangereux ce soir. Mais ça, contre un boss, ça doit être très puissant, par contre. Hein. Mais c'est une bombe qui me fait même pas mal à moi. Attends. C'est le cas, c'est extraordinaire. Ah, cool. Pas réellement cool. Ok, je commence à comprendre un peu mieux le biome, mais il y a des trucs qui sont quand même difficilement visibles. Sans genre ça, là. Je préfère ça. Hein. Ah, cool. Pas réellement cool. Frère, tu te moques de moi? Mais c'est une blague! Merci. C'était c'est vraiment de la merde comment ça se contrôle. Ok, bon, il faut que je teste un truc. Est-ce que je peux régénérer mes boucliers? Si je peux régénérer mes boucliers, c'est n'importe quoi. Ok, je peux le régénérer, mais pas au max. Plus de merde ou plus de merde? On va dire plus de merde. Je me demande si on peut transformer un familier bon jusqu'au boss. Bah, je pense que oui. Je pense qu'on peut. Je pense que c'est même un peu le principe. Genre là, s'il y en a un ici, ce serait bien que j'arrive à le transporter, par exemple. Et il y en a un. C'est vrai d'ailleurs qu'il y a des objets qui, comme un peu dans Wario... dans Wario Land à l'époque, permettent de faire des dégâts au boss dès qu'il spawn. C'est un peu marrant. J'ai bien aimé la ref. Ok. Pouh ! Je ne vois pas. Aussi. Ok. Bizarre. Je comprends mieux. Je comprends mieux la logique du monstre. Ah, c'est bien, c'est presque un tuto pour le monstre, ça. Ok, je veux bien le coffre, là. Ok, du pognon. Let's go. Merde. Oh, attends. Oh, c'est un plan, ça. D'accord. Allô ? Donc je me sers un peu de mon pouvoir pour une fois. Ok, let's go. Oh non, pas lui. Ok. Oh là là, oh je gère. Et en vrai, putain. Et en vrai, je suis fier de moi. Hein. Bah, je pense que je régène de la vie. Hein. Oh là là! Oh là là! Oh, qu'est-ce qu'on est bien!
je suis à 35 points de vie, ça va? Je suis à 35 points de vie, c'est ok pour vous? C'est ciao, comme dirait quelqu'un, je ne le nommerai pas. T'as entendu, Timini? J'ai envie de récolter le fruit de la terre. Ma tâche est terminée ici. Tu peux t'occuper de sécuriser la décharge magique, Scrabounite? Donnez-moi Scrap Knight, sinon tu retourneras dans mon sac à souk, c'est compris? Ensuite, non, moi je vais à la crypte. J'ai trouvé cette carte, moi pas vous les gars. Je mérite de voir cet inestimable trésor la première. Hey, la seule chose qui compte actuellement, c'est nous tous les excavateurs, d'accord? Tous les six partageant toute sa part égale, j'ai déjà dit ça. Bref, on s'en branle. Ouais. Excuse-moi, Crab Knight, je voulais pas te vexer, mais vous devriez filer maintenant. Timini pense que nous sommes suivis. Ok. Bon, je sais pas si je vais arriver, les gars, j'ai que 35 points de vie. Nous allons être riches et nous allons pouvoir nourrir toute la ruche rien qu'avec ce coup-là. Songe à toutes ces petites mandibules clinquantes. Est-ce vraiment le genre d'exemple que tu tiens à donner à tes enfants? Oh, Timini et moi n'avons pas besoin de discours moralisateurs. De toute façon, tu es sur le point d'avoir de plus gros problèmes que ça. Par exemple, arriveras-tu à t'échapper une fois pris au piège de notre filet? Allez, on se le fait, Timini. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça! Visiblement, son insecte est invincible. Bâtard. Ah non? Il est nouveau ce knight, non? Let's go! Je crois que j'ai même pas perdu tant de vie que ça, hein. Je crois que même avec 6 points de vie, je le battais, là, hein. Pas sûr, mais... Ça va, il est pas trop dur à comprendre. J'ai perdu 2, 4, 6, 7. J'ai perdu 7 points de vie, même. C'est pas rien, 7. C'est la seule façon de nique ta mère, on l'a déjà vu ce dialogue. Merci beaucoup. On va pas laisser les excavateurs utiliser toutes ces pierres précieuses. Séparons-nous pour les rattraper. Donc on retrouve ce biome de mort. Bon, là on a 26 points de vie. C'est chaud. C'est chaud, on a que 26 points de vie, les gars. Franchement, c'est chaud, hein. En vrai, je fais le malin, mais c'est vraiment chaud. Faut pas oublier, on a ça aussi. Ressuscite après une défaite, mais une seule fois. Mais on sait pas encore à quel point ça ressuscite. On sait pas si ça redonne tout ou juste un point de vie. Merci Funky the Fetus pour les 2 mois. Let's go pour un streamer que j'adore, merci beaucoup. C'est gentil. Hein? Pourquoi là je peux plus? Ok, vous avez vu? Ça refait ça. C'est ce qui m'avait tué la dernière fois. Bon, ça commence bien, déjà j'ai rien compris à la plupart des ennemis que je vois. Je sais pas comment je l'ai fait pour esquiver ça, mais je l'ai fait. Par contre, horrible ce biome là, on est d'accord là? Absolument horrible ce biome pour le moment. Ok, regarde-moi. Augmente votre max de santé au fil de votre progression dans le puits. Oh c'est bon, c'est chiant. Augmente de 1 votre max de magie, ça c'est en vrai? Non. Je regagne 3 points de vie. Je veux bien regagner 3 points de vie, je sais pas si ça en fait vraiment gagner ou pas. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir.
C'est vraiment ma meilleure run hein, actuellement. Attends, je peux faire le défi là. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est mal branlé la Switch ! Bon, moi ça fait max pognon, mais... Oh non! Non, non, m'attaquez pas, je suis gentil! Putain! Oh, j'ai perdu beaucoup de vie ici, hein. D'accord. Non mais par contre, ça c'est chiant. Là, vraiment, ça c'est chiant. Encore une fois, je peux pas sauter. Frère, ça c'est nul, hein. Ça c'est vraiment mal fait. Vraiment mal fait de fou, hein. C'est vraiment le truc le plus mal fait que j'ai jamais eu dans un jeu, ça. Et je dis pas ça uniquement parce que ça me fout dans la merde, hein. Ok, ça c'est bien. On les a tous. On a tous les engrenages et pour en gagner de la vie parce que là... Deux que j'en aurai besoin. Oh oui. Ok oui, on en a besoin. Ok, let's go. Bon, on n'a pas trop le choix d'aller là malheureusement. Et ça c'est chiant parce qu'il va y avoir plein de drills laser. Plus de 7000 pognons là, on est pas mal hein. En vrai, c'est plutôt normal à ce stade de la fin. Hein ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, tant pis, hein. C'est trop important. Oh, c'est chaud, hein. Oh non, non. C'est bon, je les ai eus. Ça devient vraiment tendu, là, hein. Me donner quoi? Charme coup de bol, ok, pourquoi pas. Oh merde, j'ai pas vu. Ça commence à saouler un peu là. Ça devient limite répétitif là. Les trucs laser là. Hein? Hein? Je fais quoi là? Ah ok, j'ai. J'ai. J'ai pas. Prendre la vie, hein! Oh, ça va, on se met bien en vrai. On se met giga bien. On est vraiment pas mal. Putain, imaginez un mec con ne pas réussir cette énigme. Ok. J'ai pas compris au début là quand ça faisait l'effet ascenseur, mais écoute, pourquoi pas. Oh, pas lui, pas lui.
risque. En vrai, c'est pas super dangereux, le truc du milieu, ça va, c'est ok. D'accord. C'est plutôt gentil ça en vrai. Ah merde. Ça fait mal. Bon par contre, s'il y a un truc qui rend de la vie, on est bien. Hein. Ah d'accord, ça me fait mal aussi au contact. Merde, dommage, c'est cool. Cool d'arriver en plein dessus. Je suis un peu con. Je suis un petit peu con, je dois l'admettre. J'y vais. Ah, 10 000 balles, hein. 10 000 balles. Pas dégueu. Ça commence à faire gagner de l'argent ici. Et par contre, ça m'inquiète un peu parce que là... Merci beaucoup, maître. Bonsoir, mon cher lunatique, aussi de l'argent car j'en ai déterré. Bah, merci beaucoup. Ok, bien. J'ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin des engrenages. Bah ouais, mais là, c'était ça où vraiment je descendais jamais. Au bout d'un moment... Let's go! Je les ai tous les trois, ça c'est le truc dont on avait le plus besoin. Allô? La mécanique de la Terre qui bouge, c'est très chiant. Je dois le dire, c'est très 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 chiant. Ça met bien dans la merde, hein. C'est stylé, hein. Mais ça casse les couilles. Allez, oh le boss, OMG. Ça va être King Knight, le boss, j'imagine. Allez. Aïe, 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 aïe. En vrai, je n'ai que 26 points de vie, c'est chaud, hein. Voyons voir. Oh, qu'est-ce que... Le trésor est juste en dessous, mais les excavateurs ont semé des pièges derrière eux. Il n'y a pas de temps à perdre, mais comment contourner ces lames? Mon bouclier sera de protéger. Travers, je me charge de retenir les larmes. Alors c'est con parce que j'avais un pouvoir qui m'aurait permis vraiment d'aller au-delà. Hein. Ah vite, continue sans moi. Je dois retrouver un autre chemin. Nous ne savons rien des dangers qui nous attendent, je n'arriverai peut-être pas à m'en sortir sans toi. T'en fais pas, je te rattraperai, je te le promets. Dépêche-toi, sinon Greenlight va nous échapper. Ah bien, j'y vais, mais nous quitterons ces lieux ensemble. J'ai un pouvoir, hein, sinon. Si jamais. Bon, alors, je sais que j'ai dit King Knight, mais en fait, je pense pas que là, on va avoir Greenlight tout de suite. Je pense qu'on a d'abord un truc, puis après, on a Greenlight. On verra. Je me trompe peut-être, hein. Ah, oh, c'est beau. La crypto-trésor, nous allons récolter le fruit de la terre. Les indications sur la carte sont un peu erronées, mais... Ouais, c'est forcément ça. Y'a plus nulle part au creuser. Ta cavale s'arrête ici, donne-nous ton sac et rends-toi. Oh, pauvre samplé de Shovel Knight. Je me doutais que tu établirais ton campement au-dessus de mon site de fouille. Avec la dernière pierre précieuse dont j'avais besoin. Encore un plan parfait. Regarde vide en dit long. C'est moi, Drill Knight, le plus grand chasseur de trésors de tous les temps.
Tout l'honneur est pour toi, je n'en doute pas. Tu as beaucoup à apprendre si tu penses atteindre la grandeur en volant ce qui ne t'appartient pas. Tu es en train de déterrer des choses qui ne devraient jamais être déterrées. Oh mais si, je l'ai fait. Et le monde entier en sera bientôt informé. Le trésor le plus légendaire de tous les temps. Et il est à moi. Ne le prends pas personnellement surtout, mais je vais devoir te mettre KO. Afin de pouvoir filer d'ici avec ma fusée foreuse. Les excavateurs et moi allons marquer l'histoire, tandis que toi, tu resteras un pauvre fermier avec un caractère de cochon. Amuse-toi bien à t'extirper ce tunnel effondré à l'aide de ta mignonne petite pelle. Allez, au revoir. Ah cool. Ok cool. Juste c'est si dur de lire toutes ces phases, mais ok. Merde. C'est bon, j'ai le bon truc. Ok, ça j'ai compris. Comment je lui fais des dégâts là? Comment je lui fais des dégâts là, frère? Comment je lui fais des dégâts? Allez, 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 allez! Let's go! Let's go! J'ai vraiment terminé la run! J'ai vraiment terminé la run sur la DER! Mais non! Oh. Halt, Drill Knight! Tes machinations prennent fin ici! Oh, il semblerait que j'ai raté les festivités. Tout va bien? Shield Knight! Hurrah! Nous avons enfin réussi! Cependant, nous voilà enfouis bien profondément. Comment allons-nous faire pour gagner la surface? Eh bien, nous allons utiliser cette fusée foreuse pour remonter. À la prochaine, les exécrables. Let's go! Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Si on réussit, vraiment. Let's go, let's go, let's go. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a... S'il y a encore des trucs à faire? Marrant. Ah, c'est l'hommage. GG, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'argent. Incroyable. Non, on a jamais vu ça. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un truc pareil dans ce biome aussi. Oh là là, quelle vie. En vrai, c'est stylé de repasser par les biomes dans lesquels on est allé. Putain, let's go, je suis trop content. Et les gars, j'ai décidé de tryhard ce soir. Et au moment où je décide de tryhard, on a la run qui me fait terminer ma première run. Parce que bien sûr, à mon avis, on doit la terminer plusieurs fois, dans plein de conditions, etc. C'est un roguelite, hein, mais... Ça fait plaisir. Plutôt cool. Hop là, fallait pas être en dessous, hein. Ah d'accord, on va dans la lune. Ah non, bah dommage. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant qu'il y ait un autre épisode dans la lune, derrière. Let's go! The One Piece! One Piece is real! Oh là là, magnifique. Magnifique. Putain, on s'est mis bien. Hein. Dégâts encaissés 119. J'ai pris 119 coups dans la gueule, hein. Vraiment, c'est honteux, ma run.
Vraiment honteux cette run avec tous les PV. C'est une honte. C'est honteux. C'est vrai qu'on a même pas vu la résurrection. John Anal, merci à l'Anal. Merci aux Anal Brothers pour tout ça, les gars. Un nouveau chef en ville. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste du lore. Merci à l'Anal, bien sûr. Gustave Killman, Romain Acre, bien sûr. Nouvelle machination mécanique. Quoi, est-ce qu'on a débloqué des trucs ou c'est juste pour dire que les mecs qu'on a battus, finalement, maintenant, ils travaillent. Ils sont plus au chômage. Merci, bien sûr, Adam Pip. Et John Kennedy, putain, il est revenu! Il est revenu, les gars! Il a enlevé le Fitzgerald, quand même, au cas où. Pour pas se faire buter une deuxième fois. Mais il est de retour. Putain, moi, je pourrais pas me rappeler John Kennedy, hein. Je pourrais pas accepter de m'appeler comme ça, hein. Attends, t'es en train de me dire que le boss dans la zone de lave, c'est aussi Poisson Knight? Raphaël François, Michel Hussinger, terrassé par le buzz, oh non. Il a fait le buzz avec un double zen? Romance dans les déchets. Ouais, bof, hein, quand même. Bof, bof, hein. Attends, quoi? Ah oui, d'accord. J'ai compris, pourquoi. Ah, c'est Hayamir, parce que c'est le... Bien sûr, c'est le... C'est le marchand, bien sûr. Spécial dédicace à la plante derrière Luna. Ces 200 bits iront à la plante. Thomas Ferrer. Justice rendue. À jamais. Comment ça? Ah oui, il va en prison, il va en zonzon. Ah les gars, vous avez mis des menottes à un mec qui a des drills quand même. Entre nous, c'est complètement débile. Ça va jamais marcher. Il a des menottes sur... Bah oui. Bien sûr que ça marcherait pas. Bah oui, les gars, vous êtes débiles. Hein. Débilos, les gars. C'est comme mettre des menottes à un manchot, là. Ça marche pas non plus, hein. Vous avez débloqué Victoire. Putain, OMG. Radin. Comment ça, Radin? Parce que j'ai terminé avec plus de 10 000 balles, c'est ça? Moi, quand je vis, vous avez débloqué Radin. Cool, Luna, je m'appelle Luna. Eh bah, ben, écoute, bienvenue. Et... ravi d'être deux Luna ici. Débloquer la victoire et Radin. Fait plaisir. Ah, je peux aller plus vite. Ah ouais, merci beaucoup. Hein. Merci bien sûr à tous ces gens-là, grâce à qui, ce soir, j'ai réussi ma run. Sans eux, ça aurait été impossible. Merci d'avoir joué. Produit par Yacht Club Game, bien sûr. Bah, j'espère que je pourrai aussi avoir un yacht maintenant. Très cool en vrai, non? Phew, nous en sommes sortis en un seul morceau et nous avons récupéré ton sac. À propos de mon sac, je dois vérifier quelque chose. Il est vide. Oh, quel soulagement, il a survécu à toutes ces tribulations sans le moindre égratignure. De quoi parles-tu? Qu'y a-t-il là-dedans? Regarde. Hein? Est-ce bien ce que je crois? Le terrier est là où tout a commencé pour nous. J'arrive pas à croire que tu sois revenu à trouver ça. Je n'ai pas vu de globe de vagabondage depuis des lustres. J'en reste sans voix. Nous avons vécu des centaines d'aventures là-bas. Nous étions si intrépides à l'époque. Cela valait la peine d'être préservé, non? Après notre repos, que dirais-tu de l'utiliser pour retourner y faire un tour? Bien sûr, j'adorerai ça. Merci du fond du cœur. Allons. Pour l'heure, nous avons surtout mérité un peu de repos. Oh, ça va débloquer un nouveau biome. Ça va débloquer le biome du terrier, ce serait énorme. Ça ferait plaisir. The end. Ah, oh, je suis trop fort, MG, je suis trop fort. Ok. Nice. Alors, fais une dernière, là. Ah, quel dare de folie. Alors, je veux juste regarder. Est-ce qu'il me propose des trucs nouveaux en arrivée?
Et ce qui est terrible, c'est que j'ai même pas tout débloqué dans le jeu, hein. Vraiment, juste, bon, on avait débloqué le minimum syndical, quoi. J'imagine qu'il faudra que je refasse des runs pour me rendre compte. Ok, ça j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors j'ai retrouvé les schémas, let's go! Alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a bloqué? Sauter pour prendre une forme plus mobile. Hein? Comment ça? Ça donne envie de savoir. C'est énorme. Mais non. Je suis Samus. Incroyable. La Morph Ball. Oh, trop bien la ref. Dommage que les couleurs suivent pas du tout par contre. C'est bizarre. Ok, let's go. Bon, on n'a rien de direct qui est dit, mais à mon avis, il doit y avoir des trucs de débloquer et tout, mais... Ce sera pour une prochaine fois, mesdames et messieurs. Oh, j'ai trop envie de faire une run Morph Ball bientôt, hein. Je vous le dis, ça arrive soon, hein. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Non. La Scie Omega, pendant 60 secondes, j'ai toujours pas aussi, hein. Ah, mais en l'honneur des héros qui ont vaincu les excavateurs. Oh, nice. Hello. Eh ben écoutez, c'était très très agréable tout ça. Bisous YouTube, peut-être en vrai. La run est tellement dingue, ça serait cool de la mettre sur YouTube peut-être. À bientôt. À bientôt, bien sûr. Salut. Salut.